Bonjour Frère Maxime, yo. Comment nous est? C'est JFL Cuisine Créole. Jean Fédon lundi, votre chef à la maison qui rentre la caille. Moi, dis-nous merci. Merci pour confiance nous, merci pour fidélité nous et merci pour bouche à l'oreille. Nous continuons à faire pour moi. Je tiens à l'ambral préparer pour nous yon soupe jomou flambé. Soupe jomou flambé, ça que m'bral faire, qui ça m'bral wèk la donne? C'est presque comme d'habitude. Nous pral wè yon série de bagay qui m'bral montre nous yon autre façon que nous ka présenter soupe là. Moi mettez l'huile dans chaudière moi fais le poêle moins bien chaud, moi sauter viande. Pendant que moi mettez viande dans le poêle là, moi toi saisonner. Moi mettez une cuillère de sel. Moi mettez poivre. Vous avez remarqué pendant que viande dans ta cuite là, moi pas brasser sans arrêt, nous simplement mettez viande là. Sel, poivre, moi qui t'aime bien coloré. Pour qui ça, pour me chercher sucre viande là. Pour le calme, très bon. Ok? Une fois que je bien bois celle-là, regarde, on mettait une belle cuillère de l'ail là-dedans. On mettait une cuillère de jus de citron là-dedans. On mettait céleri, on mettait un petit carotte. Si ça vous mettez là, c'est pour moi chercher goût pour viande. Et puis moi mettez persil et thym. Quand on a là, on va quitter le bouillir pour le cuire là tranquillement. Moi je mettez un petit bouillon de poulet là-dedans. Même bouillon de poulet là. Moi gagne 12 tasses de bouillon de poulet là. 12 tasses de bouillon de poulet là, c'est lui même qui va le faire soupe là au complet. Il pas besoin de l'eau, montrez-nous comment nous faire bouillon de poulet déjà. Soupe pas comment vous faire, vous juste taper JFL bouillon de poulet et puis recette la montée sous chaîne là. Moi mettez un peu là-dedans, c'est pas grave, m'a besoin de compter. Na tout ça c'est les mêmes qui va cuire viande moi. Reste à me conserver nous droit ça m'a le faire. Moi couvre viande moi qu'on a la m'a quitter le bouilli tranquillement. Qu'on y a là même retourner après on 35 minutes viande n'a bouilli. Première fois moi ouvert. OK, viande n'a pas cuite non, mais il cuit quasiment à 40%. Qu'on est là, moi je vais venir avec tout ingrédient, on va mettre là-dedans. Là, moi je mets chou là-dedans. Là, fin mettre chou, qu'on a la mettre carotte avec céleri encore. Carotte à céleri, ça qu'on a qui pour rester dans soupe moi. Moi mettre navet là-dedans. Et moi mettre cresson. Parce que c'est lui-même qui a gagné. Mon cas mette l'autre petit feuille qui possède dans le pays nous. Surtout les gens qui vivent, qui a joué un bon petit feuille, nous mettons dans la soupe nous en Haïti. Dans le même jour qu'on a venu, je vais ranger tout par-dessus. Je vais bien ranger ça comme ça, qu'on a vraiment remettre la couverture là encore. Qu'on a assez chaleur qui pour cuire jomouan pour moi. Qu'on a là m'a quitté le feu en 30 minutes encore et puis après ça m'a tourné sur nous. 30 minutes plus tard, regarde. C'est parfait, c'est cuit. OK. Qu'on a moi juste lever jomouan pour mettre là en blender pour blender. Qu'on a nous voir qui ça m'a faire. Qu'on a fini moi fin mettre tout jomouan là en blender. Nous songer reste bouillon de poulet m'te dit m'gain. Moi je mets le blender, qu'on a moins pas le blender, et voilà. C'est blendé. Qu'on y a là, m'a vidé. Fin vidé jomouan là-dedans. Vidé jomouan brasseli, et voilà. La viande m'a cuite là-dedans là, et puis m'a quitté le bouillir. Qu'on a là, à partir d'être là, m'a mis quelques petits bagages pour mettre là-dedans pour me finir souple là, oui, mais m'a vu nous, tant moi. Qu'on y a là pendant soupe là fin préparé là qu'on a là il y a tout à fait là dedans il y a un jomouni qu'on a là bouilli pour le cuire pas oublier viande là simplement qui était assaisonné qu'on y a là on va mettre reste ingrédient ça mettre quelques unités de girofle ça c'est soufflé mais piment bouc moins nous connaît qui j'aime faire piment bouc moi pas mettre l'entier là dedans si ou même moi même mettre piment bouc entier ou on doit mettre là directement moi même. Pour piment, son bagage qui va en pile goulier, moi déposer pour piment bouc, moi là-dedans là. Et moi mettre poivron. Et moi mettre yon cuillère de sel. On a moins brasser li.
mais ce plat là on fait bien assaisonner là qu'on a là quitter le fait on 10 minutes bouilli. Après ça moi pour ajouter un dernier ingrédient dans soupe que moi même avant nous toutes qu'on habitué fait déjà. Après ça moi vais monter nous pour qui raison moi relé lion soupe jaune flambé revisité. Mais moi venir avec là 10 minutes plus tard pour qu'on brasse du tout. Quand on a pendant la bouillie comme ça, on va goûter, on va ajuster le goût, on va mettre un petit poivre, un petit sel encore, sans remettre, on va mettre là-dedans. Mais c'est le bagage que je dois dire, c'est excellent parce que c'était un bouillon de poulet. Je fais un bouillon de poulet au complet, mettre là-dedans. Il n'y a pas de l'eau, du tout. Quand on a pour, je finis, je mets une tasse de macaroni. Là, c'est parfait ça. Oh, ça sent bon. La bonne soupe, hein. Bon, quand on a là, je prends 10 minutes de fait moins. Je vais le mettre le réduit en quelque part. C'est fait là, c'est fini. Qu'on a moi venir avec sa JFL cuisine créole pour l'ajouter. Qu'on a en mettre de côté. Qu'on a là, même venir avec viande sa là. Ça c'est sa ou de carré d'agneau. Ça lui même c'est un côte de veau. Avec dit viande ou même cuite dans ce plat, c'est lui même ça, mais lui même côte là. Qu'on a là, c'est lui même qu'on a là, nous allons l'assaisonner. Li. Mettre poivre. Et puis, moi mettre sel de mer. On a moi mettre un petit l'huile sous lui. On a mettre four moins à 525 degrés, moi pour mettre dans bas four, moi le faire griller. Pendant que viande moi a griller, sous point fin fait qu'on a là, moi pour le sauter un champignon flambé. On a mettre l'huile dans poil moins, mais ça champignon c'est lui même qui était. Moi même si m'étais en Haïti là, m'ta prendre John ça nous gagne en pays noir, mais de façon frais. On dépose les là, on va quitter le coloré. Pendant ce temps, je vais garder la viande moi tout. Je vais vérifier la viande en bas. Je vais bien griller lui. Je vais mettre un petit poivre. Et je vais mettre sel. Dès que les champignons sont bien colorés, je vais mettre un petit persil là-dedans. Et quand on a là, je vais mettre un petit rhum là-dedans. On a fait mettre petit rhum là-dedans. C'est ça qui fait flambage là. On a le réduit là, on va le bon petit bagage sirupeux. Très très bon. Qu'on a ou même sous mettre soufflé ou quand mettre cognac là-dedans, la vienne flamber. La vienne faire un boucan qui a monté bien haut. Moi même pas besoin de mettre cognac là-dedans, faire avec rhum babankou parce que c'est produit pays nous. C'est fait. On fait pour moi. Qu'on a là même des champignons moi. Flambé avec rhum babanco et sous point de ce côté là m'a prétendu et puis qu'on a seulement tant viande là et puis m'a le montrer nous et voilà après une vingtaine de minutes mené allez dit fois les boucanes dans vous c'est comme si m'avait dit c'est son barbecue c'est parfait ça mes viande moi là mes champignons moi là et sous point qui est après qu'on a là m'a le montrer nous un soupe là hein c'est parfait c'est excellent hein regarde moi ça. C'est excellent. C'est pas trop hyper. Tout le monde qui compte faire soupe là, il envoie ça son soupe qui est très très bonne. Nous, macaroni en papa est en pile là-dedans. Macaroni en parfait là-dedans. Tout est parfait. Qu'on a là, moi je fais montage. C'est parfait, hein? Pas oublier partager vidéo là. Pas oublier continuer faire bouche à l'oreille là. C'était JFL Cuisine Créole. Jean-Fédor Lundi, votre chef à la maison qui traite la caille. Merci. Au revoir.